Salut, salut les amis, ça va chez vous, ça va bien? Moi je m'appelle El Kabea, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire voir le prix de... Ici on utilise ça dans les landeries. On appelle ça machine à lavage ou lavage ou moi j'appelle ça machine à nettoyage. Ouais, nettoyage d'habits. Ouais, comment vous appelez ça chez vous? Comment vous appelez ça? Je dis pas en français, dans votre langue, la langue même de votre pays, même comment on appelle ça? En anglais, on appelle ça washer. Et on va un peu voir le prix. Ça, c'est ici aux États-Unis, ce n'est pas important d'acheter ces machines ici parce que presque dans tous les appartements, c'est déjà dedans. Donc, même si tu achètes une maison, il y a déjà dedans. Tu n'es pas obligé. Par hasard, peut-être dans quelques appartements, tu seras obligé d'acheter. Surtout ici à Texas, ici, il y a beaucoup d'appartements, il n'y a pas de machine. Tu seras obligé d'acheter ta propre machine. On va un peu voir le prix, si ça vous intéresse, $749. Parce qu'il y a beaucoup d'amis qui veulent acheter une machine ici. Ici, quand tu achètes les machines, ce n'est pas comme à Kinshasa, à Yaoundé, vous achetez seulement les machines pour nettoyer. Vous allez mettre les habits au fil, non. Sur les cordes, non. Ici, quand tu achètes une machine à nettoyage, tu dois aussi acheter une machine pour sécher. Ça sera deux machines à nettoyer et puis tu fais enlever la machine dans le nettoyage pour mettre là où tu vas chasser. Chasser. On dit quoi? Chasser. Mes amis, ça va, c'est ça un peu l'ambiance. Donc, parfois j'ai fait même esprit, même. Et ce n'est pas esprit, c'est vrai, même la bouche là, ça tape à côté. Ça, c'est cher, hein. C'est cher, c'est vraiment cher ici. Bon, il y a quelqu'un qui m'a demandé s'il y a une différence des machines qui nettoient. Bon, machine, c'est machine, hein, papa. Tout machine, pour moi, tout machine nettoie ses mains. Parce que les habits comme des costumes, des vestes, je pense pas que tu vas venir laver ça chez toi à la maison. Il faut aller avec ça au pressing. Donc à la maison, tu seras obligé de laver seulement les habits. Les habits communs. Hein? Donc pour les habits communs, je pense pas que tu dois acheter des Lix. Je ne sais pas, même dans les maisons qui... Donc ça, tu peux acheter si tu as une landre. Landre, c'est là où... On lave les habits, les gens viennent acheter, payer pour laver. Pour moi, même ça, même c'est trop cher. Même je vais acheter seulement les simples là. J'aime pas le temps de faire des fantaisies, beaucoup de fantaisies. Et quand tu vas quitter, ça sera difficile pour toi-même de revendre même ça. Il faut seulement acheter ce qui est normal là, seulement. Tout ça lave. Sauf seulement, il y a d'autres qui a beaucoup d'esthétiques. Je pense que je parle pas le prix parce qu'il y a déjà du prix. Donc, comme je disais, tu seras pas obligé d'acheter ça parce que dans presque beaucoup de maisons, ça vient déjà dedans. Laisse-moi ouvrir un peu ça. Waouh, ça c'est joli, hein? Ça avait Wi-Fi. Waouh, 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 wow, Bluetooth. Ah, ça évolue, hein? Donc, avec ça, tu peux être au salon. Quand ça finit à laver, tu peux voir sur ton téléphone. Ou tu peux aussi être à l'extérieur de la maison, au supermarché, mais quand ça finit, sur l'application, ça te fait signe que ça finit. Donc tu peux tout faire. Wow, j'ai aimé les Samsung. Hein. Samsung fait de bonnes choses, hein, de bonnes choses vraiment. Waouh, c'est joli. C'est joli Samsung ici. Lavage, c'est joli. Même ça, même s'il fallait même payer $10, je vais te taxer même $20 parce que la machine est trop belle, très belle même. Waouh, c'est joli les Samsung ici. Donc, vous qui vous avez des pressings en Afrique, il ne faut pas aller acheter les machines là de l'Asie là qui s'abîment. Il faut venir acheter les machines ici. Et si je suis à Best Buy, les gens qui savent, les gens qui connaissent les États-Unis, je suis à Best Buy. Best Buy aux États-Unis. Best Buy, c'est s'il y a vraiment deux ou trois endroits que je connais qui ont vend des choses originaux, c'est à Best Buy. Je sais ce que je suis en train de dire. Les vrais Américains même viennent acheter ici à Best Buy. Il y a d'autres aussi des endroits, mais tu vas voir seulement un peu la qualité.
Il y a quelqu'un qui me disait, est-ce qu'il y a aussi les pirateries aux États-Unis? Bon, piraterie comme piraterie, non, parce que c'est un crime de faire un peu le puta, de piraterie. Mais j'ai déjà vu des qualités un peu passables, hein? Des qualités un peu passables, comme des habits, comme de tennis, de qualité passable. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, moi je m'appelle El Kabir, je fais souvent des vidéos sur les États-Unis. Si ce n'est pas seulement sur les États-Unis, un jour aussi je vais aussi aller à Paris, en Chine, à Dubaï pour faire aussi des vidéos, vous montrer. Souvent je fais des vidéos pour vous montrer un peu, parfois quand je pars visiter des endroits, vous faire voir le prix. Parce que souvent vous n'avez pas le temps pour aller voir de prix. Souvent ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de temps d'aller au supermarché. Ils ont 2-3 enfants. Ils n'ont pas le temps d'aller fouiller le prix. Ou ils n'ont pas le temps d'aller checker sur Internet. Peut-être que tu regardes ma vidéo, tu es en train de cuisiner. Tu vois comment je t'ai facilité. Et quand tu vas finir à cuisiner, pars un peu sur ton téléphone. Mets un peu j'aime parce que la plupart des gens qui me regardent, 80% des gens qui me regardent ne sont pas abonnés. Je viens de totaliser déjà 4000 abonnés, mais sur 100% des gens qui me regardent, 80% ne sont pas abonnés, mais ils me regardent souvent. Seulement 20% sont abonnés, ils likent, ils commentent. Oh mes amis, il faut être gentil. Hein? Donc c'est un peu ça, si tu n'es pas encore abonné, profite-toi de s'abonner sur ma chaîne. Mets un peu une pause sur la télévision, tu vas voir le nom du chaîne, de ma chaîne, et puis tu peux aller chercher sur ton portable pour s'abonner. Tu peux aussi s'abonner un peu directement sur... ça, ce sont les machines que je vois souvent dans les maisons. Hein? Souvent dans les maisons des Africains. Des 600, des 500. Les Africains, souvent, aiment des 600, 500. Oui, c'est ça, non? Toi, tu penses qu'on va acheter des 1000 pour aller faire quoi avec ça, les 1000, là? Les 1000, là, on va faire quoi avec ça? Comme ça, ici, je vois souvent ça dans les maisons des Africains. Même des Latinos, je vois souvent ce genre de machines un peu économiques. Oui, c'est normal. Mais moi, je vais toujours acheter le moins cher, non? Parce qu'il y a d'autres choses qui n'est pas important d'acheter, de faire de ça des leaks. Hein? Ce n'est pas important. Ça, ce sont des machines pour laver. Bon, nous, vraiment, les Africains, comme on aime préparer nos histoires, là, vraiment trop dire, là, c'est même pas important d'aller acheter les machines ici pour laver les assiettes. Ça, ce sont les machines pour laver les assiettes. Ça consomme d'abord du courant, parce que ça lave avec l'eau chaude, ça consomme du courant. Et puis, c'est pas intéressant parce que, imaginez un peu les foufous que vous préparez là. Parce que les Africains ici aiment manger la nourriture africaine ici. Les Africains mangent seulement l'Afrique ici. Et avec les machines là, ce n'est pas important d'acheter. Acheter comme pour laver le verre. Les Africains ici aiment boire l'eau avec le bidon. Ici, les Africains, ils aiment un peu les leaks. Donc, c'est un peu ça. Merci, mes amis, pour m'avoir accompagné. Je vous dis merci. Si tu n'es pas encore abonné, dis-moi un peu, est-ce que le prix que vous voyez ici, c'est cher ou c'est moins cher? Le prix des machines. Et dis-moi, si je te donne, si je t'envoie cette machine ici pour aller faire le pressing en Afrique, si je t'envoie 10 machines, combien tu auras comme revenu par mois? Dis-moi un peu sur commentaire. Merci beaucoup.